Good Morning Business, la pépite. 6h17 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et ce matin, dans votre pépite, Annalisa et Capellini, on parle d'alternatives végétales au fromage. Du fromage qui n'est pas du fromage. Exactement. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait pas d'alternatives végétales. Mais c'est vrai que c'est un marché en pleine expansion, non seulement pour les personnes qui ne peuvent pas consommer du lait, mais aussi pour le côté écologique d'avoir des fromages qui ne sont pas des fromages, des alternatives végétales, justement. Alors, c'est des fromages à tartiner, c'est des camemberts, c'est des faux fromages à croûte fleurie. Nourak Barali, vous êtes le PDG des nouveaux affineurs. Vous commercialisez des faux fromages, notamment sous la marque French Kiss. Alors, pour les fabriquer, ces alternatives végétales, il faut une véritable expertise technologique, industrielle. Comment vous les fabriquez, vos alternatives végétales ? Alors, c'est justement le fruit de travail sur la fermentation et le procédé de fabrication. Donc, on part d'ingrédients végétaux, en l'occurrence, là, du soja et de la noix de cajou. On a un procédé qui est breveté, qui nous permet d'avoir une pâte, en fait, avec une bonne texture, sans aucun additif. Et là, ensuite, on va le fermenter. Cette deuxième étape va beaucoup ressembler à ce qu'on va retrouver dans une fromagerie classique. Vous avez un site de production, hein, à Ivry, sur Seine, 4 produits différents. Bon, il faut goûter, Anthony Morel. Ah oui, il faut goûter. Bah, je vais aller chercher le plateau. Le plateau, parce que du faux camembert, quand même, la promesse est forte. Est-ce que c'est pas un problème, quand même, de manger du soja tout le temps ? Enfin, c'est alors, meilleur pour la santé, franchement, que du lait, de manger du soja ? Les produits qu'on a, ils sont un mélange de soja et de noix de cajou. C'est du soja bio qui est français. Deux choses. Aujourd'hui, dans les quantités qu'on consomme, il n'y a pas de risque. Le lait présente aussi, en grande quantité, certains inconvénients pour la santé. Et d'ailleurs, parmi nos clients, évidemment, il y a des gens qui viennent parce qu'ils souhaitent une alternative sans lait, pour le côté bien-être animal, mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour la santé, parce qu'ils souhaitent réduire leur consommation de produits laitiers, ils souhaitent manger avec moins de cholestérol, et on a des produits qui, de fait, sont tous sans lactose. Alors, ça sent pas le fromage. Ça sent fort quand même. Mais ça sent fort, mais autre chose, un peu. Ouais. La croûte. Non, je fais comme si on était. La croûte, qu'est-ce que j'en pense ? Elle est pas mal. Allez, on goûte. Anthony Morel, prenez le relais. Ouais, ça, j'ai testé. Alors, moi, la croûte, effectivement, je trouve ça assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une croûte de camembert, par exemple. Ouais. L'intérieur, effectivement. Ah, c'est peut-être parce que vous me l'avez dit, mais je sens un peu la noix de cajou quand même. Quand on le dit, les gens le trouvent souvent. C'est ça. En aveugle, c'est beaucoup plus dur. C'est ça. Alors, moi, la question que je me posais, parce qu'on avait fait venir, et c'était une pépite d'ailleurs d'Annalisa aussi, une entreprise qui produisait de la caséine. Je crois que la caséine, c'est ce qui donne le côté crémeux, onctueux du fromage. Mais ils le faisaient en faisant fermenter. Enfin, il y avait tout un procédé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui ou c'est vraiment vous contentez de produits végétaux ? La caséine, donc, c'est une des protéines qui est contenue dans le lait et donc dans le fromage. Donc, plusieurs entreprises dans le monde cherchent à reproduire cette molécule et la vendre en tant qu'ingrédient. Donc potentiellement, le jour où ça sera sur le marché, ça pourrait être des fournisseurs pour nos produits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore des composants qui sont disponibles. Et on a justement, pour ça, nous développé un procédé qui est uniquement à partir de végétaux et qui nous permet de retrouver quand même une bonne texture sans ajout d'additifs. Parce que c'est vrai que c'est assez onctueux et pour le coup on retrouve la crème. Moi, au niveau du goût, vous avez mis dans la petite cuillère, c'était quoi ? Parce que ça, donc on a deux gammes, les affinés et là j'ai fait le tartinable. Ça c'est le Philadelphia quoi. Voilà, comme il est 6h du matin, j'ai pas mis celui à l'ail. Oh, franchement, goûteux. On n'est pas à ça près, hein, vous savez, nous ici. On n'est pas à ça près, bien sûr. Annalisa. Nous, on va dire un mot sur le prix et la distribution. Déjà, vous êtes uniquement sur du B2B et où est-ce que vous êtes distribué ? On peut acheter vos produits. Alors la marque French Kiss est disponible en grande distribution. On a lancé au mois d'avril. On est déjà disponible dans certaines enseignes comme Monoprix. On a plusieurs référencements importants qui arrivent en septembre et plus tard en fin d'année. Le prix des produits, selon les références, il va varier de 2,50 € à 4 euros et quelques. Par rapport à la production, donc c'est ça, elle est à Ivry-sur-Seine et on a fait le choix nous d'investir dans notre propre unité de production pour différentes raisons. Il y a à la fois des raisons stratégiques pour la détention en fait du savoir-faire et du procédé de fabrication et également des raisons plus long terme qui nous permettent de monter en échelle tout en visant justement une rentabilité rapide avec un effet de volume. Comment vous avez financé tout ça ? Alors jusqu'à présent, il y a eu plusieurs levées de fonds. Il y a eu un peu plus de 4 millions qui ont été levés. Nous, on a pris le parti dès le départ d'avoir une force sur le côté industriel et technique.
dans ce domaine-là pour faire des produits qui soient bons, qui soient de bonne qualité et qu'on soit capable de monter en échelle rapidement du point de vue de la production et de la distribution. Maintenant, justement, avec ces nouveaux développements, on continue de rechercher des financements et une nouvelle levée de fonds qui est en cours pour accompagner notre lancement en grande distribution. Et mal, le message est passé. Les nouveaux affineurs avec French Kiss sont...